La web radio de tous les rocks. Rock One. Ce soir, deuxième fauneur de la soirée, Jumbo Squash. On reçoit Hugo au téléphone. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Tu viens nous parler de ton groupe Jumbo Squash, mais quel est ce rock alternatif punk électro qui ressort de Jumbo Squash? Pardon, quel est ce rock alternatif punk électro, enfin ce mélange de musique d'influence qui ressort chez Jumbo Squash? En fait, ce qu'on aime bien dire, tu vois, c'est... T'imagines, tu prends Superman, tu ouais. prends Tyler Durden avec un peu Foo Fight Club, et tu prends Betty Boop, tu les envoies dans un parc d'attractions. Tu vois, c'est un peu... c'est quelque chose dans ce genre-là. D'accord. Donc c'est un truc un peu barré, avec quelques notes d'électro. Un peu de notes électro, d'accord. Je vois que vous avez des influences du type Radiohead, des The Doors, Waltzmother, entre autres. Ouais. Mis à part ces influences, vous allez chercher votre musique où? Alors on est des grands fans de Muse aussi, donc ça se ressent. Même à l'heure actuelle avec le changement. Alors là c'est un débat dans lequel on va peut-être pas forcément rentrer parce qu'il y a des gens qui ont pas trop aimé notre avis, mais on est plus sur les vieux Muse. Oui, vous êtes plus sur le vieux Muse, ouais, d'accord. Là je vous rejoins. On est d'accord. Ouais, donc tout sur vieux Muse, après des vieux trucs un peu blues rock genre BRMC aussi, ça on aime beaucoup. Ouais. Donc Dark Rebel Motorcycle Club, putain de groupe. Yes. Et sinon, au niveau de votre son à vous? Alors, au niveau de notre son à nous, alors, on fait tout nous-mêmes, au niveau son. Donc on enregistre avec guitare, basse, batterie. Et pour ce qui est des sons électroniques, on a un peu de matos pour. Donc on a un synthé, on a des choses comme ça. Mais on essaye de faire tous les sons nous-mêmes. D'accord. Votre productivité est totalement... Vous êtes totalement autoproduit, quoi. Voilà, c'est ça. De A à Z. Voilà. Faut dire que le chanteur a quand même une bonne bruit en fond, donc on a l'avantage de pouvoir faire des enregistrements assez propres. D'accord. Et Jumbo Squash en concert dans les dates à venir, hein, pour l'instant, votre chanteur étant à l'étranger, c'est difficile pour vous de tourner, je l'imagine. Ça donne quoi, Jumbo Squash, en concert? Jumbo Squash, en concert, alors pour l'instant, les concerts qu'on a fait, c'était tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire une formation sur scène qui bouge, qui... Puis bon, faut quand même essayer de faire bouger le public qui dort, hein, c'est l'objectif. Mais là, du coup, vu qu'on a un peu de temps, donc on va essayer de préparer quelque chose de sympa pour les prochains lives avec des effets visuels, des vidéos en rythme avec la musique. On essaye vraiment d'aller vers un show qui soit plus interactif avec le public, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve. Dans beaucoup de concerts, le groupe arrive, il fait son set. C'est cool, c'est pas cool, mais dans tous les cas, voilà, il fait son set et ça s'arrête là en général. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment quelque chose de plus interactif, plus lumineux, plus punchy. Un truc qui balance vraiment une grosse patate, quoi. Vous allez vous mettre à la mise en scène, c'est ça? Vous allez vous mettre à la mise en scène, histoire de mettre en avant votre show particulier et de pas faire comme tous les autres bons groupes qui arrivent sur scène, qui font leur show et qui disent au revoir, qui viennent faire leur appel et qui s'en vont pour la dernière fois. Voilà, mais après, je dis pas que tous les groupes sont comme ça, bien sûr, mais... Non, bien sûr. Voilà, moi, les concerts les plus frustrants, c'est quand t'as écouté un album très très bien chez toi et que t'arrives, et genre, les mecs, ils jouent leur truc, c'est très sympa, et puis, au final, c'est comme avoir écouté l'album chez toi. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on veut pas en concert. Nous, on veut vraiment que le concert, ce soit quelque chose de différent du CD. Voilà. D'accord. On peut retrouver tous vos sons sur SoundCloud, soundcloud.com/jumbo-squash. Jumbo Squash sur dans les développements dans les jours à venir, là vous allez enregistrer un EP dans quelques mois. Et sinon au niveau du live, de la vidéo, tu parlais tout à l'heure de vidéo, est-ce qu'il y a du clip, est-ce qu'il y a des mises en scène que vous préparez ou que vous avez déjà accompli? Alors on avait un projet de clip donc qui pour l'instant est un peu en suspens, mais là on est en train d'en préparer un deuxième, que celui-là on est sûr qu'on va l'amener au bout. Donc je pense que d'ici je veux pas donner trop de... Je pense que d'ici 2-3 mois maxi on va essayer de sortir ça, on va se bouger, on va sortir les doigts des fesses, on va sortir le clip rapidement. Et après tout ce qui sera vidéo de live, ça sera quelque chose d'à part, ce sera peut-être pas forcément quelque chose qu'on sortira comme un clip, mais en tout cas il y a un clip en préparation. D'accord.
D'accord. Je te remercie. On va écouter un titre de votre composition à vous, John Bosquash, qui s'appelle Je retrouve ma fille, Suprématie, plutôt. Voilà. Ça reflète quoi ce titre, Suprématie? Ça reflète quelle ambiance? En Suprématie, je dirais c'est vraiment le sentiment de la suprématie. C'est tu envoies un bonhomme dans la rue, il se sent super puissant, il se sent, voilà, c'est un peu ça. D'accord, très simple. C'est un sentiment très simple, voilà. D'accord, le tout sera maintenant d'écouter et de comprendre. Suprématie. Je te remercie Hugo, on se retrouve très prochainement, pourquoi pas ici dans les studios, afin de développer le son Jumbo Squash dans la Rock One Attitude sur Sensation et rockone.fr. Ciao.